السلام عليكم. بعد السلسلة تاع المشاريع الضخمة في ميدان إنتاج الكهرباء التي قامت بها الجزائر في السنوات يعني الأخيرة كمحطات لتوليد الكهرباء في عدة ولايات، يعني انطلاقا من استغلال الغاز الطبيعي، إذن الآن رانا نروح لفائض في إنتاج الكهرباء، ونعلم أنه فيه يعني كمية كبيرة يتم تصديرها نحو تونس وليبيا. السلطات الآن تفكر في تصدير الكهرباء نحو أوروبا، وكذلك في الدخول في شراكات استراتيجية مع إيطاليا وألمانيا والنمسا لإنتاج كهرباء انطلاقا من الهيدروجين، يعني طاقة نظيفة، إذن بإنتاج مادة الهيدروجين باستغلال الكمية الهائلة تاع الطاقة الشمسية المتواجدة في الجنوب الجزائري. إذن التوجه الجديد والاستراتيجي للجزائر في السنوات القليلة القادمة هو تصدير طاقة الكهربائية نحو أوروبا على شكل هيدروجين. في هذا الإطار نخليكم تتابعوا هذا الفيديو من قناة صينية تتكلم عن الموضوع هذا. أترككم تتابعون والسلام عليكم. Reconnu par l'Union européenne comme étant un fournisseur fiable de gaz naturel, l'Algérie envisage désormais d'exporter son électricité vers l'Europe. Alger, qui exporte déjà son énergie électrique vers la Tunisie et la Libye, prévoit d'étendre le champ de ses exportations vers les pays européens. D'après les déclarations du ministre d'énergie en Algérie, il y a une production qui dépasse les 25 gigawatts. Donc la consommation algérienne dans les moments de haute consommation ne dépasse pas le 17 gigawatts. Donc déjà il y a un excédent de presque 35%. Donc cela permet d'exporter cet excédent vers plusieurs pays, particulièrement les pays européens. Les experts estiment que l'exportation d'électricité vers l'Europe constitue une opportunité pour renforcer les exportations énergétiques algériennes et contribue à booster l'économie nationale. Maintenant, pour l'économie nationale, je pense que c'est bien pour l'économie nationale. Déjà, ça permet de diversifier les recettes en devises, booster l'économie nationale, c'est-à-dire avoir un financement plus et en même temps créer une relation commerciale avec les pays européens dans un contexte gagnant-gagnant. Selon le président algérien Abdelmadjid Tebboune, l'Italie a même proposé de réaliser un câble électrique reliant l'Algérie à l'Europe au point le plus proche de la côte italienne, à 270 km. Dans ce cadre, les experts évoquent les capacités de l'Algérie dans le domaine de la production d'électricité, outre l'industrie locale des turbines à gaz. On parle de plus de 8 milliards de dollars d'investissements qui vont booster ces recherches, qui vont booster ces constructions de nouvelles stations d'électricité, de nouveaux puits, de nouvelles découvertes. On a enregistré l'année passée plus de 7 découvertes de réserves confirmées, des découvertes très importantes qui vont aussi booster ses ambitions de devenir un pôle énergétique dans le bassin méditerranéen. L'Algérie peut devenir le premier fournisseur de l'électricité pour l'Europe. On a les énergies fossiles, le gaz, le pétrole. Vous savez, l'Algérie, c'est un des pays le plus exposé au soleil. Donc l'énergie solaire peut être aussi un cheval gagnant. Depuis le début du conflit russo-ukrainien, les pays européens se sont heurtés à une crise énergétique sans précédent. Les observateurs indiquent que certains pays européens coupent l'alimentation en électricité à leur population à des tranches horaires définies dans le cadre des mesures d'austérité énergétique. Ils s'attendent à ce que l'exportation par l'Algérie d'une partie de leurs besoins en électricité puisse atténuer la crise. Achraf Massoud pour CGT1 français.